Salut, bienvenue sur BR Performance. Du coup, nous sommes au King of Class 2022 avec la Golf Inter BRP, reprogrammée avec Biflash. C'est un véhicule qu'on développe depuis presque 6 mois. On est là pour finir de régler l'auto, s'évaluer en termes de performance avec la concurrence et puis on passe un bon moment. On est actuellement dans une phase de duel, c'est-à-dire que deux véhicules de puissance équivalente vont partir en départ arrêté et s'arrêter au bout de 400 mètres. Et c'est le but, c'est d'être le plus rapide. On est avec la Golf 8R maison et on va faire un petit run là avec notre ami Luc Véran et sa Mitsubishi full power allégé qui va probablement nous mettre une tempête. Donc on se met tous les deux à la lumière et c'est toi qui vas nous le feu. Ok, super. Ok. Là on va lancer la séquence, un vert pour orange, orange, orange et au vert vous partez. Ok. Ok, ça marche. Après le résultat il est logique tu vois vis-à-vis. Ouais ça paraît normal hein. Bah après j'ai l'impression qu'en pointe tu mets quasiment plus rien tu vois. Non. Et par contre tu mets au début sur à mon avis 1, 2, 3 là tu mets, sûr, tu mets 15 0, mètres. Après 800 mètres, passer 150, 160, tu ouais, rentrais. Peut-être je sais pas. By my face, hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank, yeah. Excuse-moi. Salut. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va, nickel. Dis-moi, tu sors combien avec la... Un peu plus de 400. Parce que je voulais essayer avec ma Golf. Ouais. Parce que je sors à peu près 400. Ouais, ok. Et voir ce que ça donne. Ouais, si tu veux, aucun okay. problème. Ouais, on pas de souci. Tu pars en launch control ou tu pars normal? Non, je pars en normal, moi. Tu pars en normal? Ouais. Allez, parce si tu veux. Je patine trop. Ah, mais c'est une deux roues? Ouais, moi, c'est une GTI. Ah, c'est une GTI, d'accord, ouais. Ok. Allez, pas de souci. Juste pour essayer. Ouais, ça marche. Du coup, ben, il y a un jeune homme qui vient me demander si on pouvait faire un duel avec lui. A priori, il possède une GTI, une Golf 7 GTI préparée aux alentours de 400 chevaux. Il serait curieux de voir qu'est-ce que ça donne face à notre 8. Donc, on va prendre le départ, puis on va voir ce que ça donne. Ça va, ouais, voilà, je vais tester contre la 8R. Contre le 8R ? Ouais. Lave-le. Hein ? 7.5. On va essayer, il sort 420. Ouais, 420 il sort. Ouais, on va essayer. Ah, faut voir la différence du coup. Ouais. Vas-y, bon, ouais. Merci.
nous voilà sur la ligne de départ. Ce coup-ci, on fait un duel contre une RS3 500 chevaux a priori. Un RS3, c'est très très efficace au départ. Vole le départ un peu, je pense. Ouais. Un peu. Ouais, hein. Quoi? T'es parti en lunch? Non, non, pas du tout. Mais il a mis un peu de temps à réagir pour partir. Alors, je sais pas si c'est moi qui te vole le départ ou si c'est toi, tu. Non, lui, il a pris un peu de temps, je crois, aussi pour réagir. Ouais, d'accord. Super temps, je suis super content, la caisse elle a fonctionné impeccable, le départ super, on fait 8,26 au 100-200, 3,60 au 0 à 100 et on fait le quart de mile en 11 secondes 40. Ok les amis, on est à la fin de cette journée, King of Class 2022 avec notre Golf 8R préparé par BR Performance. La voiture a été exactement aux attentes. Ultra performante, on a fait un record de vitesse à 238 km/h. Toute l'équipe a fait du super travail, on est très content, très satisfait. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et au plaisir. Performance, parle pas chinois. Désolé.